dis cette déclaration d'amour. Je vous aime. Acceptez, c'est à revenir cette déclaration d'amour. Je vous aime. Acceptez, c'est à revenir cette déclaration d'amour. Je vous aime. Acceptez, c'est à revenir cette déclaration d'amour. Je vous aime. C'est avec beaucoup de joie que je vais remettre ce matin à M. Cupidon Hayden l'agenda de ces trois éditions, un livre de Jacques Stéphane Alexis, compère général Soleil, que j'ai dédicacé pour toi, et puis une petite enveloppe à l'intérieur de cette grande enveloppe. C'est, je dis avec joie, parce que je fais tout de suite une réminiscence des années 80 où j'étais jeune écolier au Collège Immaculée Conception. Je sais la foule qui vous anime. Et en arrivant ici, ce qui m'a frappé, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé. Le silence. Et dans votre speech introductif, vous avez encore évoqué le silence. C'est un lieu calme où l'on vient pour lire, pour apprendre. Et je vous encourage, chers jeunes, à marcher sur cette aire. Et par anticipation, je félicite mon cher ami Fred, mon mentor, mon devancier, et pour cette belle initiative, parce que, comme vous avez dit tantôt, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Heureusement, nous avons des hommes et des femmes dans ce pays capable de insuffler certaines choses aux jeunes pour mieux assurer la relève. Monsieur Cupidon, félicitations. Merci. Et bonne chance. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette trois éditions. Moi-même, c'est Neko Naïf et très content de ce que nous venons ici matin dans la salle que me fait pour mon membre qui mourit à 103 ans récemment dans Gonaïve. Et salle ça me fait li parce que mon membre t'a toujours dit Fred, les monde vient sous terre pour faire un bagaille pour quitter pour zone autorité. Et c'est ça qui explique la présence ce matin. Mais ma grande joie ce matin, en plus de vous voir ici, c'est aussi d'accueillir mon grand ami Chesnel Pierre, actuel directeur général de l'ONA, que je vous demande d'applaudir. D'abord, je vous dirai que mon lien avec mon ami Chesnel
c'est notre intérêt, notre amour pour la ville des Gonaïves. Ce n'est pas deux directeurs qui gonaïviens, qui ont un gros job dans Port-au-Prince, que m'inviter et de me faire événement ça. Pas de yon qui est intéressé. Malan, il parlait de ça avec Chesnel. Chesnel dit, frère, je suis avec toi. Et aujourd'hui, il est là, effectivement. Il a pu nous permettre. Il nous a beaucoup aidé financièrement pour nous permettre d'organiser cette activité aujourd'hui. Mais il ne va pas s'arrêter là. C'est un nègre qui non seulement aime une ville li Gonaïve, li fait que son dîme là, Fred, faut faire ça, on s'arrête dans Saint-Marc-Tour. Li fait que son dîme là. Et justement, c'est cette vision nationale qui l'anime, qui explique non seulement sa présence ici, mais qui explique aussi cette phrase. Fred, faut faire une réponse à Saint-Marc-Tour. Eh bien, nous allons au-delà de Saint-Marc, au-delà de l'Artibonite. Je me suis entendu avec mon cher directeur du Centre culturel, l'écrivain Marc Xavier. Nous allons faire cette tournée-là à travers le pays pour sensibiliser les jeunes autour de l'œuvre de ce grand Gonaïvien qu'est Jacques-Stéphane Alexis. Parce que l'avenir vous appartient. Mais l'avenir vous appartient seulement si vous avez la tête bien faite. Si nous restons, nous suivons les gens qui fait des autres. L'heure est arrivée pour nous prendre le pouvoir. Nous ne pouvons pas prendre non parce que nous ne pouvons pas former pour ça. Il faut nous faire revendication. Mais surtout, principale revendication pour nous faire, c'est pour nous dire tête non. Il faut nous parler pour nous servir le pays, pour le pays changer, pour le pays améliorer. Et c'est ça qui nous a animés. Moi-même, directeur, Marc Xavier, qui fait aujourd'hui que nous plus ou moins capables de défendre nous dans la vie. Ça. Parce que la vie est difficile en pile. À l'âge, nous avons trois choix. Nous avons le choix de la facilité. Nous avons une musique qui est en train de nous attendre la musique, nous avons bien, nous relaxons. Et bien, vous aurez une vie très courte. Même si vous allez exister, mais vous n'allez pas vivre. Parce que vous ne serez pas autonome. Vous allez dépendre des gens. C'est le monde qui a pas un petit corps. Le deuxième choix, c'est justement de vous former. Mais il y en a plusieurs qui sont bien, solidement formés, et qui n'ont aucun geste pour leur environnement, qui n'ont aucun geste pour leur patrie, qui n'ont aucun geste pour leur pays. Ce sont des gens qui ont échoué à moitié. Et bien la vie complète, c'est le troisième choix. Vous former, mais vous mettre au service de votre communauté. Voilà, rappelez-nous, récemment, m'attendais des discours du Premier ministre japonais. Il se fait monter. Et puis, il se dit, compatriotes, moi, yo, monde moderne, très difficile. Premier bagaille pour nous faire, bataille pour nous réussir, vie nous. Deuxième bagaille pour nous faire, aider communauté côté nous. Troisième bagaille pour nous faire, aider pays nous. En quatrième position, nous capables de songer que vous payez à aider nous. C'est une répétition de la fameuse phrase de John Kennedy qui disait « Ne vous attendez pas à ce que le pays va faire pour vous, mais dites ce que vous devez faire pour votre pays. » Depuis les années 60, et les pays asiatiques qui ont réussi ont pris cette phrase comme catalyseur, comme vecteur, comme motivation. Nous n'avons pas demandé des pays, et puis chaque monde pour frontière fort le paladin. Pays par jambes marcher comme ça. Il faut nous demander des pays pour changer, pour l'améliorer. Mais nous-mêmes, tout, il faut
faut nous faire un petit effort pour nous changer, pour nous améliorer. Ma relation avec le directeur général ici présent, c'est aussi lui-même qui en premier t'a accueilli Livre Citoyen il y a plus de 8 ans dans le cabinet avocat. Là, je fais comment c'est fait, c'est toi, je vais côté pour mettre Livio ou Livio Van. Pas pour un central, pas pour un local. Il dit, frère, je n'ai pas accueilli Livio dans le cabinet. Nous avons cagalé Livio et nous avons acheté Livio. Mon cher Gisèle, merci encore. Parce que ce geste qui remonte à 8 ans est peut-être le défendement du succès actuel. N'était ce geste peut-être que nous ne sommes pas capables de faire sans ça à Gonaïve au service des jeunes. N'était ce geste peut-être que Livre nous n'est pas aussi connu dans les écoles actuellement au Gonaïve et dans le département et à travers le pays. Jamais je n'aurai de mots pour te dire merci. Vraiment m'apprécie ça. En pile, en pile, en pile. A profité pour nous saluer Mme Déhémy qui fait le vini là. Je vais même révéler Mme Déhémy parce que rien n'en personnel. Mais moi-même, je suis patriarcal, son ancienne génération, Mme Déhémy, bienvenue. Directeur, permettre que nous organisions fête ça. Et lui permettre que nous valbaille chaque élève qui l'a eu un livre Compère Général Soleil qui va vous tracer cette nouvelle voie de la vie. Et directeur Abral permettre que nous continuer vini dans ce centre-là parce que lui payait pour nous un an d'abonnement dans ce centre-là.